s'est arrêté. Élise et Lisa discrètement admirent leur reflet dans les cuivres et tout à coup aperçoivent... Non, si, cophonie. Là, à quelques pas d'elle, l'air fripon surgit d'on ne sait où. Pendant que l'orchestre avalait des équerres, revoici la princesse. L'orchestre, en la voyant, se met aussitôt à ronronner. S'étire et bâille. S'ouvre de tout son corps. Au loin, traversant les murs épais du palais, résonne la romance du tuba. Vous tourez, pense la princesse. Princesse, pense vous tourez. Éblouie par tout ce qu'elle voit, par tout ce qu'elle entend, Cophonie parle avec ses yeux, ses mains, ses bras. L'orchestre comprend le moindre de ses gestes. Elle et lui ne font plus qu'un. Dans la salle, le roi et la reine applaudissent à tout rompre. Ils sont aux anges. Le peuple aussi. L'orchestre alors se lance dans une danse frénétique. Cophonie et Vuturi vont enfin pouvoir se marier.